si tous les bâtiments se munissent d'installations autonomes, au fur et à mesure, ça va créer un effet d'îlot de chaleur. Il y a un effet d'îlot de chaleur urbain très très important, et donc ça va participer au réchauffement de la ville. Avec le développement du réseau de froid urbain, on s'est rendu compte que si on continuait à le développer, on atteindrait un niveau de 1 degré inférieur à la prolifération des installations autonomes. Et 1 degré en centre-ville, c'est beaucoup. Les musées, pour conserver leurs œuvres, ils ont des besoins en froid constants, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été. Évidemment, en été, on produit beaucoup plus de froid qu'on en produit en hiver. Mais en hiver, il y a les musées, mais il y a aussi les data centers, par exemple, qui sont des gros consommateurs en froid. Donc la production en hiver, elle existe. Et pour qu'elle soit encore plus vertueuse, eh bien, on va se servir de la fraîcheur de la Seine pour rafraîchir directement l'eau du réseau. L'utilisation du réseau parisien de distribution d'eau glacée nous offre deux avantages majeurs. Le premier, on le voit ici, on est dans un local qui est tout petit. Et donc on a un gain de place qui est très important par rapport à ce qu'on aurait comme besoin d'espace avec des groupes autonomes de production d'eau glacée. Le deuxième avantage, c'est que ça nous permet de bénéficier d'une énergie à plus faible empreinte carbone, disponible toute l'année, puisque la spécificité du musée du Louvre est d'avoir besoin, pour la bonne conservation de ses œuvres, d'utiliser également de l'eau glacée en hiver pour maîtriser l'hygrométrie. Alors la facture énergétique du Louvre, c'est environ 10 millions d'euros par an en 2021. Cette facture, on cherche à la maîtriser au maximum, avec évidemment les aléas de l'augmentation du coût de l'énergie. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans une politique vertueuse en matière de consommation énergétique, avec des objectifs extrêmement ambitieux de réduction de notre consommation. Le but n'étant pas de maintenir absolument la facture au niveau où elle est, puisqu'on n'aura pas la maîtrise totale là-dessus, mais en tout cas de réduire notre consommation pour un peu amortir le choc de la hausse du prix de l'énergie.